Allez, c'est l'heure du maquillage! Waouh, quelle belle couleur! Elle est juste parfaite! Ok, j'ai fini! C'est parti! Oui, ça a fonctionné à merveille! Le mien a fonctionné aussi! On est trop jolies! Tape-moi une! Oh, non mais regardez-le planté là! Il ne sait même pas que j'existe! Qu'est-ce qu'il est intelligent! Je suis tellement amoureuse de lui! Oh, il a une copine! Hey! Qu'est-ce qu'il lui trouve, franchement? Sûrement plein de choses! Je pourrais jamais lui ressembler! Salut, bébé! Burke, pourquoi est-ce qu'il faut que je sois assise pile au milieu? Au moins, je suis près de mon amoureux! Dommage que je sois invisible à ses yeux! Oh! Salut, beauté! C'est pour toi, mon seul et unique amour! Tu peux lui donner? Hein? À lui, t'as compris? Bref... Tu m'as prise pour qui? Ton facteur? Et c'est quoi d'abord? Oh, t'es sérieuse? Je vais pas lui donner ça! Oh, ça craint! Tiens! Quoi? Oh, elle m'envoie des bisous! Cool! Mouah, voilà en retour! Comme si l'école n'était pas assez pénible! Oh, j'en ai vraiment marre de cette situation! Je t'aime, mais moi je t'aime plus! Oh, c'est épuisant! Est-ce qu'un jour je ressemblerai à ces filles super belles? Avec leurs lèvres pulpeuses? Et si je prenais le problème à bras-le-corps? Je vais redonner un peu de volume à mes cheveux! Oh, c'est une bonne idée le rouge à lèvres! Il faut que je m'en mette une bonne couche! Magnifique! Maintenant, je vais les imprimer sur une feuille. Mes lèvres sont vraiment si fines! Je serai jamais tranquille! Bah, fichu rouge à lèvres! C'est trop nul! J'arrive à rien avec mes cheveux qui se baladent partout! Une petite minute! Je pourrais m'en servir pour mes lèvres! Ça devrait aider à faire monter le sang. Voilà, c'est déjà mieux, je le sens. Plus qu'à attendre. Voilà, ça devrait être bon. Oh, c'est vachement mieux. Elles sont bien repulpées. Rien à voir avec mes petites lèvres toutes fines. Parfait, je reprends confiance en moi. Oh, encore ces deux-là. Je vois pas ce qu'il y a de si drôle, mais d'accord. Moi aussi, je peux jouer à ça. Hein? C'est quoi? Wow! Elle m'a envoyé un bisou! À plus tard, bébé! Wow, elle est nouvelle! Hé! Donne-moi ça! Mais non, bébé, c'est toi que j'aime! Ce jeu est trop bien! Super! Qui est-ce qui sonne? Sans aucun bruit. Oh non, mon rencard! Bonjour, il y a quelqu'un? Il ne m'a peut-être pas vue. Il faut que je me maquille, vite! Pas de panique. Qu'est-ce que je vais porter? Je vais commencer par ce fond de teint. Juste un peu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? C'est trop pénible. C'est mieux. Et maintenant, le mascara. Doucement. Je n'ai pas assez de temps. Elle a de la chance que je l'aime bien. Elle en met du temps. Je sais. Un tout petit peu de patience. Allez, où est mon rouge à lèvres? Cette couleur est trop jolie. Si j'arrive à l'appliquer, il doit y avoir un problème. Je sais, je vais utiliser mes ongles. Ça a marché. Maintenant, mes lèvres sont prêtes pour les bisous. Je suis prête. Salut, beau gosse. Pardon, j'étais en train de me faire encore plus belle. Je sors avec une clown? Je suis trop contente de te voir. Des fleurs? Oh, tu n'aurais pas dû. J'espère que personne ne va nous voir. Des sushis, mon plat préféré.
Tu as fait tes baguettes? C'est trop bon! J'en veux plus! Ils sont incroyables! Hé! Hey, laisse-en-moi! Dis donc, elle mange super vite! Ralentis! On est censé partager! Ça ne doit pas être si dur de ne se servir de baguettes! Peut-être si je... Non! Et si... Oh! Elle n'arrête pas de manger! Il ne restera plus rien! Il faudrait vraiment qu'on fasse ça plus souvent! Allez, les baguettes! Mettez-y du vôtre! Tant pis, je vais faire sans. Enfin! Doucement, j'y suis presque! Ça se joue à rien! Oh! C'est de votre faute! Oh, attends, je sais! Là, vous êtes à moi! Je peux juste embrocher les sushis. Et regarde, de la nourriture sur le pouce! Ça, c'est du bon sushi! Il n'y a plus de sushis. C'est un peu dégoûtant. Je m'en moque, j'ai faim. Elle lui a dit qu'il lui fallait un chaperon pour aller au bal. Ce livre est trop ennuyant. Son père... Mais non, la prof s'est endormie. Je ne veux pas cette craie. C'est ça, elle est en train de rêver. C'est le moment ou jamais pour me remaquiller. Juste une petite retouche. Oh! Elle est morte! Pourquoi est-ce que je sens une inquiétante présence soudaine derrière moi? Oh! Bonjour! Donne-moi ce maquillage! Oh! Elle m'énerve trop! C'est dur à encaisser qu'elle confisque notre maquillage! Mais regarde, j'ai un secret! Eh oui, ma boisson est un fond de teint! J'ai pris un gobelet vide et je l'ai retourné. Ensuite, j'ai mis un peu de colle au fond. Parfait! Ensuite, le fond de teint de mon choix, je l'ai posé sur la colle et j'ai attendu que ça sèche. Et voilà! Du maquillage caché sous mon gobelet! Et j'ai ajouté le couvercle pour vraiment faire illusion. Mais je ne me suis pas arrêtée là! À quoi sert un fond de teint si on n'a pas de pinceau? J'ai entaillé une paille dans la longueur et j'y ai glissé un pinceau. Ensuite, j'ai glissé une autre paille autour pour bien le cacher. Et après ça, j'ai pu faire passer la paille dans le couvercle. Waouh, c'est incroyable! Je peux tirer le pinceau dès que j'en ai besoin. Je vais pouvoir finir ma retouche. Attendez un instant! Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je ferais mieux d'aller voir de plus près. Les boissons ne sont pas autorisées en classe. Concentrez-vous bien, ça sera dans le contrôle. Je déteste les cours de maths. La prof est occupée. C'est le moment ou jamais. Où est-ce qu'il est? C'est passionnant les maths, non? Allez! C'est bon! Je l'ai! Ashley? Oh oh! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien? Je te surveille. Piou! C'était moins une. Il faut que je sois rapide. Non, ce n'est pas ça. Ah ah! Personne ne se doute de rien. Ashley! Main sur le bureau. Voilà. Vous êtes contente? Arrête de faire n'importe quoi. Oula! Elle est de mauvaise humeur. Mais elle ne m'a pas interdit de bouger les pieds. Là, je suis contente de faire du yoga. J'y suis presque. Ce n'est pas évident. Oh non! Encore toi, Ashley! On continue! Ok. C'était vraiment proche, mais au moins j'ai mon maquillage. Attends, cette boîte de crayons me donne une idée. Ça pourrait marcher. Enlève le couvercle et les crayons de la boîte. Dépose de la colle sur la pointe d'un petit crayon et colle le crayon au couvercle. Fais ça avec d'autres crayons. Jusqu'à ce que le couvercle soit entièrement recouvert, ensuite range ton maquillage dans la boîte, mets tout ce dont tu as vraiment besoin, puis remets le couvercle. Ma petite trousse à maquillage pour les cours. Et personne n'en saura rien. Hé, c'est du maquillage? J'ai tout ce qu'il faut là-dedans. C'est parfait pour une petite retouche. Plutôt malin, non? J'adore l'idée. Il faut simplement que je fasse quelques retouches.
Je pense qu'il faut que je redessine mes sourcils. Heureusement que j'ai pris mon crayon. Oh non, il faut que j'aille en classe. Il ne faut pas que je sois en retard encore. Salut, tu vas bien? J'y crois pas. Il faut que tu vois la tête de Gabi. C'est quoi son problème? Oh, attention! Mes livres! Attends, je vais t'aider. Tiens, voilà. Ah! Au secours! Ok, ça c'était bizarre. Est-ce que j'ai quelque chose entre les dents? Non, ça a l'air d'aller. Hé les gars, regardez ça! Oula! C'est comme si deux chenilles vivaient sur ton visage. Ce n'est pas très sympa. Désolée, je crois que je me suis trompée de salle. Calmez-vous, le spectacle est terminé. Où est passée Gabi? Ah, te voilà, dépêche-toi! Désolée, tu ne croiras jamais ce qui vient de m'arriver. Très original ton look. Est-ce que tu t'es vue? Oh non! Mes sourcils sont énormes! Viens voir, je vais t'aider. Dessine un zigzag sur tes sourcils. Puis trace le contour. Ensuite, tu peux remplir avec le crayon. Ça donne l'aspect d'un sourcil plus fourni. Maintenant, utilise une brosse à sourcils pour lisser les poils. Ça permet aussi de les fixer. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, c'est beaucoup plus naturel! Ne me regardez pas. On dirait que quelqu'un a besoin de notre aide. Je m'en occupe. Oh, je n'arrive pas à me gratter. C'est trop frustrant. Oh, je sais. Et tu pourrais me gratter le dos? Toi? Si tu veux. Oh ouais, juste là. C'est parfait. Trop bien. Continue. Je suis au paradis. Il y a au moins une personne qui a l'air de profiter. Oh, ça a l'air agréable. Et tu as deux mains, donc... Vas-y. Vous êtes trop bizarres tous les deux. Oh, c'est incroyable. Il me faut de nouveaux amis. Je n'arrive pas à croire que je me retrouve à faire ça. Un peu plus bas, juste ici. J'ai une idée. Ok. Bon, je veux voir les bonbons d'abord. Toi, merci, tu peux te tourner maintenant. Ça vaut bien une friandise. Suivante. Ah. Oh, quelqu'un arrive. Ça pourrait être quelqu'un d'important. On peut avoir ton autographe, s'il te plaît? Le site semble sûr. Aucune menace détectée. Incroyable! Elle est trop cool! C'est génial! Que se passe-t-il? Menace détectée! Attendez, attendez! Arrêtez! Ce n'est pas ce que vous croyez! Menace neutralisée! Enfin! Oh, je ne peux pas croire que je doive enjamber cette personne! Où est-elle allée? Je veux son autographe! Merci d'être venu! Vous êtes tous mes meilleurs fans! J'envoie un baiser à chacun d'entre vous! Hein? Quoi? Oh non! Mon rouge à lèvres! Je déteste avoir les lèvres nues! Heureusement que j'ai un plan secret! J'ai juste à retirer le haut du micro! Il y a un rouge à lèvres caché, et maintenant j'en remets! Parfait! Ça devrait suffire! À présent, retour au champ! Bon, il faut que j'aille à l'école. C'est trop naze. Voilà mon sac. Oh, salut Dolly, ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller à l'école habillée comme ça? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, mais j'ai une idée pour toi. Viens, assieds-toi sur le canapé. Maintenant, laisse-moi voir ce que tu as dans ton armoire. Mais... Oh, waouh! Regarde comme cette couleur est vive et joyeuse. Oh, ça? Vraiment? Oui, je pense que c'est parfait pour aller à l'école. Bon, très bien. Laisse-moi juste l'enfiler. Je passe mes bras dedans. Ok, c'est bon. Oui, ça te va super bien. Ne bouge pas. Oh, d'accord. Heureusement que j'ai un peu de chocolat sur moi. Oh, regarde ce joli bandeau en velours. Il est parfait pour toi. Il te va à ravir. Oh, je viens d'avoir une autre idée. Bon, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre à manger? Oui, ce jean sera parfait.
Un jean, sérieux? Bon, ok. Bon, tiens-moi mon pot de Nutella pendant que je me change. Oh, allez, c'est trop serré! J'arrive pas à l'enfiler! Oh. Non, je n'arriverai jamais à le fermer. Oh, Wendy, dans ce cas, la seule solution, c'est d'arrêter le sucre. Quoi? Mais j'adore les sucreries! Oh, ok. Bien, maintenant, laisse-moi voir si j'arrive à boutonner ce jean. Ouch! Ouille! Aïe! Et voilà, c'est boutonné! Je ne sais pas comment t'as réussi. Tu dois avoir des pouvoirs magiques. Tu es adorable. Tiens ton sac. Amuse-toi bien. Waouh, c'est du travail de la préparer. Regardez-moi tous ces emballages. Elles mangent trop de cochonneries. Je vais devoir nettoyer tout ça et les mettre à la poubelle. Une seconde, d'où vient ce bruit? Est-ce que Wendy est dehors? Ouais. Oh, salut Dolly. Ne fais pas attention à moi. C'était une barre chocolatée. Elle doit bien être dans le coin. Trouver. Oh, Dolly. Oh, Wendy. Mais j'ai trop faim. Il faut que je mange un truc. Oh, bonjour, Wendy. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? C'est quoi ce bruit? Je crois que ça vient du frigo. Je ferai bien de vérifier que tout va bien. Oh, salut, Dolly. Wendy, sors du réfrigérateur. Il fait froid. Viens par ici et donne-moi ce Nutella. Prends une banane plutôt que de manger du chocolat. C'est plus sain. Quoi? Une banane? Oh non, c'est trop nul! C'est très bon pour toi. Il faut que je finisse la vaisselle. Oh, quel enfer! Et attendez une seconde, je crois que je viens d'avoir une super idée. Est-ce que Dolly regarde? Non, elle est encore devant l'évier. Je vais utiliser mon super appareil à banane. Il est temps de s'y mettre. Pan, pan! Je dois maintenant faire passer cette tige comme ça, puis je tourne. Maintenant, je la retire et ça fait sortir l'intérieur de la banane. Burk, c'est la partie la plus répugnante. Maintenant, je place la banane évidée juste ici. Et là, je verse mon délicieux Nutella. Ça devrait suffire. Je n'ai plus qu'à presser le levier. Maintenant, ma banane est remplie de Nutella. Cette fois-ci, j'ai hâte de la manger. Wendy? Oh, salut Dolly! Oui, je mange une banane pour le goûter. Ouf! Il s'en est fallu de peu, mais je crois qu'elle n'a rien remarqué. Oh, regardez-moi ce délice de chocolat aux noisettes! Oh mon Dieu, c'est tellement bon! C'est la meilleure banane que j'ai mangée de ma vie! J'arrive pas à croire qu'on soit seulement lundi. Oh! Waouh, ce garçon est trop mignon! Ah, c'est pas vrai, il me fait coucou! Salut! Pourquoi est-ce qu'il part par là-bas? Oh, mais quelle idiote! Oh, je sens que la journée va être longue. Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un a dû le faire tomber ou un truc comme ça. Je l'ai trouvé, je le garde. Personne ne m'a vu le prendre de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! On dirait que les choses vont enfin s'améliorer. Et pour une fois, tout est clair comme de l'eau de roche. Voyons comment les gens me traitent maintenant. Vous pensez que quelqu'un va me remarquer? Waouh! Je peux t'accompagner en cours? Oh, fais la queue, mec! Cette histoire est excellente! Bon, je dois y aller. Je te rappelle plus tard! Bah, mon écran de téléphone est tout sale! Et mon visage ne va pas du tout non plus! Impossible que je reste comme ça! Il faut que je remédie à ça! Bah, c'est dégoûtant! Personne ne regarde, il faut que je continue. Bon, où est-ce que c'est? Je sais que c'est quelque part là-dedans. Je l'ai! J'ai besoin de cette feuille. C'était tellement rusé de ma part de fabriquer cette plante à maquillage. Ce n'était même pas dur à faire. J'ai pris un pot et j'y ai mis de la mousse florale. Ensuite, j'ai déposé un support et je l'ai recouvert de plastique. Parfait, pile comme ça. Et maintenant, le fond de teint. J'ai tout simplement placé la poudre sur le disque en plastique. Il en faut assez pour tout recouvrir. C'est bien. Ensuite, j'ai besoin de feuilles et de mon bon vieux pistolet à colle. Je vais juste ajouter un peu de colle au dos de la feuille. Comme ça, je peux fixer mon éponge à maquillage. C'est bon. Et maintenant, il est temps de planter cette fausse plante. Hop, dans le trou, et j'ai fini. Maintenant, je peux utiliser ma plante pour toute urgence maquillage. Il faut juste que je reprenne ce que mon téléphone a enlevé. C'est bien mieux. Oh, la prof arrive. Attendez un instant, qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Oh, je regarde juste cette plante. Bon, je suis heureuse de voir ça. Crise maquillage évitée.
Dolly, j'arrive pas à croire que tu sois vivante. Comment tu t'es transformée en humain? Arrête de me toucher comme ceci, Wendy. C'est mal poli. J'en reviens pas que tu sois en face de moi. C'est sûrement la chose la plus folle et la plus surprenante qui me soit jamais arrivée. Dolly, tu veux bien qu'on prenne une photo toutes les deux? Ouais! Regarde toutes les photos que j'ai de nous. Une seconde, j'ai vraiment cette tête-là en vrai? Dolly? Pauvre Wendy. C'est vrai que ces photos ne sont pas terribles. Ne fais pas attention à ces photos. Tiens, prends plutôt ce miroir. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censée voir là-dedans? Attends, ne bouge pas. Je me demande où elle est partie. C'est pas grave, elle va revenir. Puisque j'ai ce miroir, autant m'occuper de ces boutons. Je vais juste appuyer un peu dessus. Dégueu. Je vais aussi faire celui qui est juste au-dessus. Oh, j'en ai aussi un là, en bas sur la joue. Wendy, me revoilà et j'ai apporté un sac. Mais qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Rien, j'éclate juste mes boutons. Je ne peux pas m'en empêcher. Je vois. Écoute, j'ai mieux que tes doigts pour faire ça. Hein? C'est quoi? On dirait une sorte de gadget. Alors, on dirait qu'il faut que j'appuie sur ce bouton et que je le mette sur mon visage. Oh mon Dieu! Ça a carrément fait disparaître mon bouton! Est-ce que c'est réel ou est-ce que je suis en train de rêver? C'est incroyable! Ce truc est magique! Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est trop génial! Je vais continuer de m'en servir. Je vais voir si j'arrive à faire disparaître tous les boutons de mon visage. Tu t'en sors très bien, Wendy. Continue. Merci beaucoup, Dolly. J'ai encore quelque chose pour toi. Tu veux essayer? Bien sûr! À ce stade, je veux bien essayer tout ce que tu me proposes. Je vais appliquer ce masque au thé vert sur ma peau grasse. Mes joues et mon nez sont les zones les plus problématiques. Merci, Dolly. Tiens, je te rends ton tube. De rien. Je crois que tu peux l'enlever maintenant. Ça fait assez longtemps. Super. J'attrape juste une lingette et j'enlève tout ça. Waouh, regarde, je n'ai plus aucun point noir. Incroyable, ma peau a l'air tellement plus apaisée. C'est vrai. Maintenant, passons à la suite. C'est quoi? On dirait du scotch. Oh, c'est pour mes sourcils. Qu'est-ce que c'est censé faire? Ça ne risque pas de m'arracher les sourcils? Oui, alors, attends une seconde. Je vais simplement retirer le scotch de ton visage. Oh, waouh! Mes sourcils sont redessinés! J'en reviens pas qu'un simple morceau de scotch ait pu faire ça! Merci beaucoup, Dolly! Tu es ma meilleure amie! Et si on prenait de nouvelles photos ensemble maintenant? Où est-ce que je m'assois? Ce bureau m'a l'air bien. Non! Ne t'assois pas là! Il faut que je me dépêche! Hors de ma route! Bouge, intello! C'est mon bureau! J'étais là d'abord. Trouve-toi un autre bureau. Tu es sérieuse? Ok. Tu vas voir ce que tu vas voir. Donne tout ce que t'as. Tu es morte. Pierre, feuille, ciseaux. Partez. Oh, d'accord. Ouais, j'ai gagné. Désolée la nulle. Ashley est trop pénible. Tu vas pleurer. C'est le bureau parfait. Juste à côté des classeurs. Prends un classeur et découpe la couverture arrière. Mets de la colle sur le classeur. Il faut bien tout recouvrir, de haut en bas. Pose le classeur sur la tranche et colle-y un autre classeur à moitié découpé. Refais la même chose avec d'autres classeurs. Ensuite, colle un autre classeur avec un seul côté découpé. C'est une super idée! Ma petite réserve de maquillage secrète! Tout ce qu'il me faut est ici. Il suffisait d'un peu d'imagination. J'étais obligée de m'asseoir là. Il faut que je sois jolie. On court. Et maintenant, c'est le cas. Mais non! Comment t'as fait? Jalouse? Oh non! C'est du maquillage? Où sont mes lunettes? Ah! Je cherchais ce stylo. J'ai cru que... Oublie. J'adore cette ombre à paupières. Elle est trop chou. Oh, qu'est-ce que j'ai sommeil! Il faut que je sorte mes affaires. Ah! Salut! Ah!
Je t'ai prise pour un fantôme? Très drôle. Non mais tu es tellement blanche. Je m'en moque. Je suis trop fatiguée là. Je devrais peut-être l'aider. Il y a bien un truc là-dedans qui pourrait lui être utile. Ah ah, ça va être parfait. Oh, regarde-la. Hé, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Prends ça. De la colle? Dis donc, tu es trop gentille. Mets-en dans ta main. Ok, mais je sais à quoi ça ressemble de la colle. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est du maquillage? C'est quoi cette sorcellerie? Tiens, prends ça. Avec ça, tu auras l'air un peu plus humaine. D'accord, mais tu m'as perdue, là. Prends un flacon de colle vide, nettoie-le et enlève le bouchon. Prends ton fond de teint préféré et remplis le flacon avec. Ensuite, referme le bouchon. Un fond de teint de secours. Oh, je comprends mieux. Merci, avec plaisir. C'est beaucoup mieux. Je ressemble à quoi? Tu es très belle. Tiens. Ah, je me sens si reposée. Oh, c'est vrai. J'ai mis des bigoudis dans mes cheveux. J'ai hâte de les enlever. Allez, je m'y mets. J'espère que mes cheveux vont être beaux. Et le premier est enlevé. Le deuxième aussi. Ah, je suis sûre que mes cheveux sont tout bouclés. Oh, quoi? Ils sont toujours lisses? Comme d'habitude. J'étais censée me réveiller avec de magnifiques boucles. C'est trop injuste. Je veux des boucles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes cheveux ne sont pas bouclés. T'es sérieuse? C'est pour ça que tu pleures? Bon, donne-moi une seconde. On peut te faire des boucles à l'aide de ton fer à lisser. Ça lisse les cheveux, ça ne les boucle pas. Comment tu crois que j'obtiens de telles boucles? Oh, d'accord, je crois que je comprends. Alors, je vais juste prendre une mèche de cheveux et l'enrouler sur elle-même, jusqu'au bout, en serrant bien. Et maintenant, je peux utiliser mon fer à lisser. Je vais simplement chauffer ma mèche torsadée comme ça. Et quand j'enlève le fer, les torsades se transforment en boucles. C'est trop facile. Le résultat est peut-être encore mieux qu'avec un fer à boucler. Elles sont bien rebondies. Je les adore. Et tu te concentres? Oui, je me concentre. Il faut se préparer pour l'école. Elle est bizarre. Mes cheveux sont trop beaux maintenant. Et maintenant, vers la droite. Et puis, sur la gauche. Oh, j'ai tout le temps les cheveux dans la figure. On touche le sol. Ah, mes cheveux ont ramassé toute la saleté. C'est dégoûtant. Faut que j'aille prendre une douche. Je vais pas pouvoir finir ma gymnastique. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est? Ce mec vient de me marcher sur les cheveux. Oh! On dirait qu'Annie a encore des problèmes de cheveux. Psst! Hey, Annie, j'ai une solution pour toi. Fais-toi une queue de cheval comme ça. Oh, c'est joli! Mais je sais pas comment faire. Tu peux m'apprendre, s'il te plaît? Mais bien sûr, d'abord réunis tes cheveux. Puis prends une petite mèche entre tes doigts et... Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et ensuite, je fais un nœud comme ça et encore une fois pour que ça tienne bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à les lisser. Encore un peu plus serré et c'est prêt. Oh mon Dieu! Merci infiniment, Eva! Génial! Mes cheveux ne me gênent plus du tout. Est-ce que ça va passer le test? Je crois que oui. Je touche le sol seulement avec mes mains, plus avec mes cheveux. Ouais! Merci, Eva! C'est reparti! Ça ne doit pas être si compliqué. Après tout, ce n'est que du rouge à lèvres. Allons-y doucement, mais sûrement. Pourquoi ça a l'air toujours plus facile sur les autres? C'est vraiment trop difficile. Je n'y arrive pas. Mes lèvres sont parfaites, comme toujours. Waouh! Elle est tellement belle. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide.
Salut, Gabi. Tu as quelque chose sur le visage. Tiens, prends ça. Merci. Ce n'est pas très difficile de mettre du rouge à lèvres. Choisis ta couleur préférée. Et dessine une ligne au milieu de tes lèvres. Ensuite, presse-les l'une contre l'autre plusieurs fois. Tu plaisantes? Fais-moi confiance. Avoue, c'est magique. Waouh, c'est génial! Je vais essayer. Je dessine la ligne. Et je presse mes lèvres. C'est ça! C'est marrant! Waouh, ça a marché! Bien joué! Oh! Tout est trempé! Je ne ressemble à rien! Regarde mes cheveux et mon maquillage! Dis donc! Il pleut des cordes dehors! Heureusement que j'ai pensé à prendre mon parapluie. Oh, c'est pas juste! Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie a tout fichu en l'air! Ah oui! Tes cheveux ont besoin d'un bon coup de pouce. Hé, attends une seconde! Je crois que je viens d'avoir une super idée! Regarde, le sèche-main juste ici! Mets ta tête dessous. Ça va super bien marcher. Fais-moi confiance. Voilà, comme ça. Il va te sécher les cheveux. Mais non, mes cheveux sont redevenus comme avant. Tu vois, je te l'avais dit. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Tu veux changer de couleur de cheveux sans aller chez le coiffeur? J'ai ce qu'il te faut. Applique de la peinture en bombe sur ta brosse et brosse-toi les cheveux. La teinture va se déposer sur tes cheveux. Exactement comme ça. Tu peux utiliser toutes les couleurs que tu veux. C'est super facile. Et en plus, c'est joli. Plus besoin de débourser une fortune. J'adore. Waouh, tes cheveux sont tout emmêlés. Oh, j'en reviens pas qu'elle joue encore avec des poupées. Oh, salut, tu aimes les poupées? Tu trouves pas que ses cheveux sont beaux et soyeux? Désolée, je dois y aller. Oh, il peut pas comprendre de toute façon. Dolly est un peu salée, elle a besoin d'une coupe de cheveux. Ne bouge pas de là, tu ne vas rien sentir. Encore quelques coups de ciseaux, on va aussi s'occuper de cette robe en lambeaux. Waouh, t'es bien mieux comme ça. Tiens, assieds-toi juste à côté de moi. Je suis contente de voir à quel point le relooking de Dolly est réussi. Ah! Qu'est-ce que... Tu es qui, toi? D'où est-ce que tu viens? Ça a l'air plutôt réel. J'espère que ça va marcher. Allons-y. Youhou! Un peu de sérieux. Bonjour, je viens pour une visite. D'accord, mais vous connaissez les règles. Pas de maquillage. Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi! Ce sont seulement des glaces à l'eau! D'accord. Oh, elles ont l'air bonnes. Je peux en avoir une? Où sont passées mes manières? Merci. Elles sont délicieuses. Vous voulez les autres? Est-ce que je peux en apporter une à Annie? Oui, oui, laisse-moi. Super! Salut! Regarde ce que j'ai. Une glace à l'eau, miam! Non, ne la mange pas! Regarde à l'intérieur! Waouh, du vernis à ongles! C'est encore mieux que de la glace! J'essaye juste de t'aider! Waouh, cette couleur est magnifique! Oh, pourquoi ça lui prend autant de temps? Hé! Désolée, je suis en retard. Qu'est-ce que tu portes? Et ton visage? Je vais le couvrir avec ma capuche. Allez, ça ne marchera pas. Entrons juste et passons un bon temps. Bonjour, voici nos tickets. Merci. Oh, waouh! Burk! Bon, vous êtes libre d'entrer maintenant.
Eh, c'est une chouette boîte, non? N'aie pas si l'air si morose. J'ai ce qu'il faut. Regarde ce que j'ai fait avant qu'on vienne ici. J'ai émietté ce maquillage dans un petit bocal. Et ensuite, j'ai pris ce désinfectant pour mains et je l'ai vaporisé. Quand il y en avait assez, j'ai mixé le tout jusqu'à ce que tout soit onctueux. Et ensuite, tout était prêt. Place au pinceau. Enfin, j'ai verni mes ongles avec cette mixture. Un peu comme avec du vrai vernis. En fait, j'adore cette couleur. Bon, tu es prête? J'ai juste à frotter mes ongles sur tes paupières. Waouh, cette couleur te va ravir. Dansons. Je vais juste glisser le reste de mon maquillage sous mon pull. Bonjour, je suis prête à entrer. Voici mon ticket. Reste là. Les mains en l'air, s'il te plaît. Oh, d'accord. Regarde tout ce maquillage. Je le savais. Nous avons une politique stricte sur l'interdiction du maquillage. Bon, d'accord. Je comprends. Je reviens tout de suite. Oh, je devrais arrêter d'agiter ce panneau si fort. Ok, je vais coller le maquillage sur mon bras comme ça. Et je vais l'enrouler avec des bandages. Tu sais quoi? Je vais sortir le grand jeu. Elle pense pouvoir m'empêcher d'apporter du maquillage? Elle se met le doigt dans l'œil. Très bien, je me trouve parfaite. Bonjour, voici mon ticket. Merci, tu peux entrer. Ouais, j'y suis parvenue. Hé, qu'est-ce qui se passe? Regarde où tu vas. Bon, personne ne me regarde? Non, il est l'heure de se maquiller un peu alors. Parfait! Il est temps de profiter de la soirée. Où en est la queue? Oh non! Je n'ai plus beaucoup de temps pour finir de me maquiller! Parfait! Suivante! C'est bon, tu peux passer! Suivante! Oh non! En effet! Je vais avoir besoin de ça pour te donner une leçon! Oups! Pas ça! Je me suis trompée! Je voulais dire ça! Oh, quel mignon petit ours en peluche! Quoi? Oh zut, je ne parlais pas de cet ours! Ça, c'est ce que je voulais te montrer! Pas de maquillage autorisé! Mais je n'ai pas terminé mon autre œil! Qu'est-ce que je vais faire? Attends une seconde! J'arrive tout de suite! Bonjour! Voilà, je suis prête à entrer maintenant! Bon, je vais en juger... Laisse-moi t'examiner de plus près! Oh mon Dieu, elle me regarde terriblement près. D'accord, tout a l'air en ordre. Tu peux entrer. Ouais, je suis enfin entrée. Elle est tombée dans le panneau. Parfait, il est temps de retirer ma boucle d'oreille. Et de terminer de me maquiller l'autre œil. Pfiou, c'est beaucoup mieux. Il est temps de profiter de la soirée. J'y suis presque! Ah, et voilà! Un tout nouveau look! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu es réveillée! Oh non, mes cheveux! Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je n'y crois pas! Elle a coupé ma frange! De quoi j'ai l'air maintenant? Il me faut une solution de toute urgence! Je dois sûrement pouvoir trouver quelque chose là-dessus! Ah, c'est exactement ce qu'il me faut! Je vais pouvoir arranger ça en deux temps, trois mouvements! Waouh, c'est super! Je vais ajouter un serre-tête pour compléter le look. Ouf, il s'en est fallu de peu. Ça aurait pu être bien pire. Heureusement que j'ai sauvé la mise. Tu arrives à croire qu'on est déjà vendredi? Qui ça peut bien être? C'est Jake! Et il veut qu'on ait un rencard ce soir! C'est génial, Annie! Je me demande ce que je devrais porter. Oh, quand est-ce qu'il est arrivé là, lui? Jake ne peut pas me voir comme ça. J'espère qu'il va comprendre. N'annule pas, Annie. Hein? Tu n'es pas obligée. Pas possible. Je vais te montrer un petit truc. Prépare-toi à voir de la magie. Vaporise un peu de laque sur un pinceau. Plonge le pinceau dans un peu de fond de teint. Tu es prête? C'est parti!
juste une petite éclaboussure, comme ça. On dirait des taches de rousseur. Et elles ont toutes l'air naturelles. On ne remarque même plus le bouton. Je n'y crois pas. On ne le voit plus du tout. Merci. Pas de problème. Je parie que c'est Jake. Je ne veux plus annuler. Satané message impulsif. Qu'importe, je suis sublime. J'espère vraiment que j'ai laissé mes affaires dans mon casier. Oh, j'ai oublié la clé. Oh, tiens, j'ai de la chance. Allez, Satané sac, descends de mon épaule. Aïe. Entre là-dedans et hors de ma vue. Prête à faire la pom-pom girl. Aïe. Oh non. Mes cheveux se sont coincés dans mon casier. Libère-moi. Oh, ça m'a fait trop mal. C'est parti. Allez, tout le monde, montrez-nous ce que vous savez faire. Pardon, je suis en retard. Comment tu fais pour être encore en retard? Salut, bonjour. Salut, c'est bon, je suis prête à tout donner. Allez, on va répéter notre dernier enchaînement. Oui, on le maîtrise bien celui-là. Ses cheveux sont trop beaux. Allez, on va passer au cran supérieur. Je veux une tonne d'énergie. Si tu le dis. Aïe! Elle m'a frappée avec ses cheveux. Aïe! Tu m'envoies tes cheveux en plein dans la tête. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Et hop, coup à éviter. Non! Oh, ça a dû faire mal. Bon, j'ai un plan. Suis-moi. Oh, bonjour toutes les deux. Comment ça va? On va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Voilà, première étape, c'est bon. Maintenant, deuxième étape. J'ai juste besoin de 2-3 autres élastiques. Alors, maintenant que j'ai séparé la queue de cheval en deux couettes, on va les entremêler ensemble. Je les sépare elles-mêmes en deux et je les entremêle comme ça. Il faut juste les faire passer l'une dans l'autre plusieurs fois jusqu'au bout. Voilà, j'ai fini. Et comme ça, tes cheveux sont bien attachés. Et on s'y remet. Wouh! Allez! Voilà votre repas. De la bouillie? Je vais vous laisser un mauvais commentaire. Voilà pour vous. C'est déjà mieux. Miam, qu'est-ce que j'ai faim? Attendez, je crois que j'ai une meilleure idée. Je vais prendre un peu de confiture et en faire un blush. Ah, parfait. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Avec la cuillère, je vais récupérer un peu de poudre des barreaux. Tout le monde a besoin de paillettes dans la vie. Enfin, cette plante va m'être très utile. Il ne faut pas oublier les sourcils. J'adore la couleur de ces briques. Ça fera un excellent fard à paupières. Voilà, je suis redevenue moi-même. Chouette, il n'y a personne. Je fais comme si de rien n'était. Personne ne se doutera de quoi que ce soit. Je nettoie le sol. Rien de très intéressant. Phew, c'est épuisant. Ah, quelque chose ne va pas? C'est mon maquillage? Je pense que tu devrais y jeter un coup d'œil. Hein? On dirait un clown. Quelle horreur! C'est tellement embarrassant. C'est mieux? C'est moins effrayant. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Quoi? Regarde. Je t'en prie, serre-toi. Waouh, c'est du maquillage? Merci. De quoi j'ai l'air? Regarde par toi-même. Waouh, j'adore ce t-shirt. La prison, ce n'est pas si mal après tout. Encore une... Allez, je vais à l'école. À plus. Stop. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que tu portes là? Non, non, tu ne peux pas mettre ça. Tu es sérieuse? Il n'y a rien de déplacé. Ce ne sont que des vêtements normaux. Tu as vu le temps qu'il prévoit pour aujourd'hui? Froid et venteux! Oh. Tu vois, tu n'es pas assez habillée pour le temps qu'il fait. Ce vieux truc pourri! Vraiment? D'accord. Voilà, je porte ton pull. Tu es contente? Oui, très. Passe une bonne journée, chérie. Oh, ce pull est horrible. J'ai trop chaud et il gratte. Oh, c'est le nouveau là-bas. Il est trop mignon. C'est le moment ou jamais de me présenter avant les autres. Salut.
Waouh, c'est une tenue intéressante. Oh, merci. Tu veux qu'on aille en cours ensemble? Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, c'est l'électricité statique du pull. Oh, ça a dû faire mal. Oh, mes cheveux aussi sont tout électriques. Satané pull, j'y vais y aller, moi. Hein? Tu vois, tout va bien, maman. Ah, oui, tu as raison. C'est bien, passe une bonne journée. Merci, à plus. Ouf, oula. Le nouveau est toujours là. Oups. Oh, je suis sûre qu'il va bien. C'est l'heure d'enlever ce pull. Hop, adieu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis coincée. Allez, va-t'en, satané pull. Je ne veux plus de toi. Je suis coincée. Oh, je dois bien pouvoir faire quelque chose. Oh non. Aïe, ma tête et mes coudes. Je vais faire les magasins et j'ai trouvé la palette d'ombre à paupières la plus jolie du monde. Je suis trop jalouse. Tu veux la voir? Regarde, elle est dingue. Oh, j'adore les couleurs. J'aimerais avoir la même. Tu peux l'utiliser, t'inquiète. Merci. Oh, bonjour monsieur. Vous êtes en retard, à votre cours les filles. Pas de maquillage? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, rien du tout. Qu'est-ce que tu as dans le dos? C'est juste ma main. Il y a quelque chose de louche. Fais-moi voir. Non, je n'ai rien dans mon dos. Donne-moi ce que tu tiens. Bon, d'accord. Mon maquillage. Ashley, lâche. Mais c'est à moi. Bon, c'est gênant. Toi, tu vas en cours. Désolée. Lâche, Ashley. Génial. Une distraction. Quelle est immature. Pour garder la palette de maquillage en lieu sûr, il faut s'attaquer au livre. Prends une paire de ciseaux pour découper un trou dans un livre. Il faut que ce soit de la même forme que la palette. Ensuite, colle les blocs de poudre sur la page. Comme ça. Ajoute quelques décos pour que ce soit plus personnel et pour camoufler le maquillage. Avec ça, tu peux aller en cours. N'avance pas plus. Tourne-toi. Pas de maquillage? C'est bien. Tu peux y aller. Génial! Enfin, d'accord. Salut! Ça va? On ne peut mieux! Waouh! Eh oui, j'ai juste besoin d'un pinceau. Et maintenant, je peux me maquiller. Si on m'avait dit que les livres de cours pouvaient être si utiles. Tu es superbe! Tu veux lire mon livre? Madame, j'ai fini le contrôle. C'est vrai? Vous allez être impressionnée. C'est ce qu'on va voir. Effectivement, beau travail. Fais comme si de rien n'était. Merci. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Quoi? Je ne vois pas de quoi vous parler. C'est du maquillage? Non, il faut que j'y aille. Attends, tourne-toi. Je n'ai pas de maquillage. C'est louche. Tu peux y aller. Je me sens bien. Waouh! Comment elle fait pour être si belle? C'est juste naturel. Si elle connaissait mon secret. Petit retour en arrière. Elle est occupée. Heureusement que j'ai préparé ça tout à l'heure. Prends une gomme et découpe un coin avec des ciseaux. On a juste besoin d'un petit bout. Ensuite, mets de la colle sur un coton-tige et colle la gomme sur le coton-tige. Ensuite, mets du mascara sur la gomme. Recouvre entièrement la gomme. Voilà, comme ça. Je vais passer la gomme sur mes paupières. Et de l'autre côté, parfait. Voilà, bien joué. Je mériterai un A pour la peine. Il faut que je finisse de prendre ces notes. Oh, le cours est fini. Regarde par là. Les chats sont trop bêtes, je les adore. Maintenant, il faut qu'ils me remarquent. Hein? Une vraie intello. Une intello? Bon, peut-être qu'il aime les intellos. Regarde à quel point je suis intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me montre un livre? Oui, bon. Les livres, ce n'est pas trop mon truc. Ils ne servent à rien. Les livres ne servent à rien?
Aucun de mes efforts ne fonctionne. Bon, je crois qu'il faut que je tente quelque chose de plus définitif. Des phrases simples, quelque chose qu'il va comprendre. Allez. Oh là là, elle vient d'arriver en cours. Non, 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 il faut que j'efface l'épreuve. Je ne fais rien du tout. Les chats, je les adore. Dis donc, regarde qui vient de s'asseoir à côté de moi. Salut, ça va? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi est-ce que tous les garçons la remarquent? Attends une seconde. Oh, je sais, c'est les cheveux. Mais je n'ai pas de cheveux longs comme elle. Et je n'ai pas de jolies barrettes. Attends un instant. En fait, je peux peut-être essayer quelque chose. Désolée, mon cher stylo, je vais devoir te démonter, mais c'est pour la bonne cause. Alors, je vais mettre un peu de colle chaude au bout du ressort. Ensuite, je vais y coller le petit pompon. Et voilà, il est bien collé, il ne bouge plus. Ensuite, je vais le mettre dans mes cheveux. Il suffit de tourner comme ça. Je vais en mettre à différents endroits. Ça rentre parfaitement. C'est tout simple. Génial! Ça a fonctionné exactement comme je l'imaginais. Je me lance. Excuse-moi. Salut! Hein? Dis donc, il y a quelque chose qui a changé. J'aime bien! Incroyable! Quelle réussite! Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas vu mes papillons? Tant pis, de toute façon, je n'aime pas les chats. J'aime mes pinceaux. Et mes crayons. Ça y est, je suis prête. Assieds-toi. Oh, génial! J'ai trop hâte de voir le résultat. Je suis ravie de l'entendre. On va commencer par mettre un peu de poudre. Tu vas être ravissante. Prochaine étape, cette couleur de fard à paupières, ça t'ira à merveille. Ne bouge surtout pas. Waouh, ça te va vraiment bien. Oh, il nous faut du mascara. Bien, maintenant, on va rehausser un peu la couleur de tes lèvres. Celui-là, je l'adore. Ça ne veut pas sortir. Je suis sûre qu'il en reste. Oh, c'est énervant. Oh! J'adore cette émission! Miam, ces nouilles sont délicieuses! Ce Chris, je le trouve renversant! Hein? Il me semblait bien que j'avais une fourchette! Je pense que ça peut le faire! Place le tube entre les pics de la fourchette et presse le tube! Le gloss va sortir tout seul! Comme ça, plus de gaspillage! Tu peux mettre le gloss dans un petit récipient. Et voilà, plus besoin de tubes. C'est beaucoup plus facile et accessible comme ça. Plus besoin de presser les tubes sans arrêt. En plus, je peux utiliser un pinceau à maquillage pour l'appliquer. J'aurais dû y penser plus tôt. Waouh, c'est joli! Je crois que nous avons terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, j'adore! Tu es très douée! Merci beaucoup! Je dois passer par mon casier pour poser mes livres. Tant que j'y suis, autant vérifier que mes cheveux sont bien coiffés. Pile comme il faut. Bien lisse. Oh, waouh! Regarde ces cheveux. Ils ont tellement de volume. Waouh! Même les anges parlent de ces cheveux dans le ciel. Waouh! T'es trop belle. On dirait une déesse. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Mon agrafeuse préférée. Je t'ai pris un cadeau aussi. Regarde tous les cadeaux que lui offrent les garçons mignons. Pourquoi est-ce que mes cheveux ne peuvent pas être comme les siens? Pour que je puisse aussi avoir des cadeaux. Je peux peut-être créer un peu de volume dans mes cheveux avec mon peigne. Oui, ça va parfaitement fonctionner. Je le sens. Voilà, avec ça, je vais attirer les regards. Attends, pourquoi est-ce que mes cheveux ont cette texture bizarre? Oh non, je ressemble à la fiancée de Frankenstein. Je vais devoir me cacher derrière ce livre. Merci les garçons, c'est bon, vous pouvez y aller. Je n'arrive pas à croire toute l'attention que j'obtiens grâce à mes cheveux. Hein, c'est quoi ça derrière le livre? Oh, elle a clairement besoin d'aide avec ses cheveux. Salut, qu'est-ce qui s'est passé par là? Oh, rien, je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. Ne t'écoute pas, je peux t'aider à réparer ça. Tu as juste besoin d'un peu de laque et de cette pince. Je n'ai besoin que de ça, t'es sûre? D'abord, tu vas prendre la pince et la mettre au-dessus de ton front. Ensuite, tu vas vaporiser un peu de laque. Maintenant, tu vas utiliser un sèche-cheveux pour la sécher. Parfait, pile comme ça. Maintenant, tu peux retirer la pince. Regarde-moi ce volume! Et c'était tellement facile à faire! Waouh! Mes cheveux sont beaucoup mieux coiffés!
J'ai l'impression d'être une mannequin. Un grand merci pour les conseils coiffure. Pas de soucis. Utilise tes nouveaux pouvoirs capillaires avec précaution. Salut les garçons. Encore un petit devoir et c'est l'heure de manger. Waouh, Annie a vraiment la classe. Hé, Annie, tes boucles sont vraiment super jolies. Merci, je voulais essayer quelque chose de nouveau. Oh, les cheveux d'Annie sont superbes. Ce look te va vraiment bien. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Mes cheveux à moi sont raides et banales, comme toujours. Tiens, mais ce stylo pourrait m'aider à changer ça. Je vais enrouler mes cheveux autour et attendre un peu. Et voilà! Oh, je crois que ça n'a pas du tout marché. Il n'y a rien à faire, pauvre de moi. Oh, on ferait bien de reprendre ce devoir. Bon, je vais prendre quelques notes. Zut alors, mon stylo ne marche plus. Je vais souffler dessus, ça devrait aider. Oh, oh. Et, excuse-moi, je peux t'emprunter un stylo? Oh, désolée, je n'ai que celui-là. Eva, tu peux me prêter un stylo? Oh, tu es toute triste. Je suis déprimée à cause de mes cheveux. Ah, c'est tout? Je peux t'aider à te faire des boucles. Regarde, d'abord tu prends une mèche de cheveux. J'utilise deux doigts et j'enroule tes cheveux autour. Puis je fais un petit nœud. Ensuite, je les tire un peu pour qu'ils restent bien en place. Oh, mais ça a l'air facile! Je suis impatiente de voir ces boucles. Attends, ne le défais pas encore. Tu dois attendre au moins une minute. D'accord, je lance le compte à rebours. Voilà, tu peux défaire le nœud. Waouh, c'est vraiment super bouclé! Maintenant, moi aussi, je peux avoir de beaux cheveux. Eva, ça te va super bien. Merci, Annie. Que ferais-je sans toi? Je t'en prie, Eva. Et maintenant, je suis prête pour de nouveaux compliments. Mais il est passé où? Oh, mais c'est une blague! Ah, les garçons! Elle ne serait pas si bien coiffée sans moi. Waouh, ils sentent vraiment très bon. Ah, j'espère que j'en ai fait suffisamment. C'est du bon travail. Quel chef-d'œuvre. Waouh, franchement, je suis trop canon. Ouvert ou fermé? Cette coiffure est vraiment au top. Wouhou! Mamie? Je t'ai fait des cookies, mon petit chat. Mamie, je vais à une fête, là. Peut-être plus tard, d'accord? Désolée. Comment ça, une fête? Tu vas vraiment sortir? Comme ça, tu es bien plus mignonne, ma chérie. Mamie, tu veux bien? Laisse-moi arranger ça. Oh, arrête, mamie! J'ai pas besoin de ton aide. Les jeunes n'ont aucun respect. J'ai cuisiné tout l'après-midi et pourquoi? Pour qu'elle aille à une fête? Oh non, elle a oublié son sac. Elle ne risque pas d'aller bien loin sans ça. Bon sang! Je crois que je suis au bon endroit. Ah, la voilà. Et attends, ton sac! Misère, mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Bonsoir, ma petite fille a oublié son sac. Je peux le lui apporter? Réservé aux élèves. Je comprends, mais c'est important. Un miroir? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ce sont mes quelques rides qui vous effraient? Bon, très bien. Je ne peux pas croire de telles bêtises. Je voulais simplement aider. Oh! Une seconde, je parie qu'il y a du maquillage là-dedans. Bien, voyons voir. Oh, quel est cet engin? Ça a l'air de faire mal. Je vais quand même essayer. Finalement, ce n'est pas désagréable. Ma peau est beaucoup plus douce. Waouh, quelle aventure! Dites donc, j'ai plutôt bonne mine. Je vais le garder. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un pullover? Hey, c'est confortable. Y a-t-il quelque chose d'autre dont je pourrais me servir? Oh! Une seconde,
Tu me dis quelque chose. J'arrive pas à me souvenir d'où. Bon, tant pis, vas-y. Wouhou! Mon petit chat. Hein? Mamie? C'est moi. Tu avais oublié ton sac. Et pendant qu'on y est, je me suis dit que tu en voudrais peut-être un. Mamie! Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah! Finalement, on dirait que ça augmente ma cote de popularité. Excusez-moi, les filles, mais on se trouve dans une zone sans maquillage. On a plein d'autres sujets sur lesquels se concentrer. Parlez pour vous, madame. On a les astuces pour cacher au mieux notre maquillage. Rusé, pas vrai? Regardez-moi cette cachette! Reste avec nous et on te montrera toutes nos astuces. Les filles, je vois bien ce que je vois. Une orange. Oui, quelle belle couleur, pas vrai? Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je mange juste une pomme verte bien juteuse. J'ai le droit, non? Je suppose que j'ai encore des hallucinations. Sans doute parce qu'il n'y a rien à voir. Oh, waouh! Ah! T'aurais pu prévenir quand même! Non, mais je rêve! Votre attention, tout le monde! Cet examen est très difficile. Je vous préviens! Elle en fait des tonnes! Préparez vos stylos! Hein? Mais ça a l'air trop dur! Pas tant que ça! Je dois pouvoir faire quelque chose! Il est temps de sortir mon stylo spécial. C'est un stylo très spécial. Ha! Allez, stylo, examine l'équation. Ah! Qu'est-ce qu'il fabrique? Hein? Hé! Oui! Jake! Chut! Oups! Pardon, navré. Oh, les jeunes! Ha! Plus de chance la prochaine fois! Je vais faire avec ce que j'ai sur moi. Allez, active-toi! C'est reparti! Oh, waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh, ça suffit! Jake, donne-moi ça! Sérieux? Oh, allez! Dommage, hein? C'est tout ce que j'avais! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Envoyez le pop-it! Merci. Maintenant, ça ne va plus rigoler. Où est le bouton spécial, déjà? Ah ouais, le voilà. Hein? Waouh! Incroyable! Sérieusement? J'en ai assez! Attendez, c'est bon, je le fais disparaître. Et voilà, plus rien. Zut! Hé! Sunny a une anti-sèche. Il m'en faut une aussi. Hé, comment est-ce que tu fais ce truc? Tu as un téléphone? C'est très simple. Regarde. Tu vois? Oui, merci. En espérant ne pas me faire prendre cette fois. On peut dérouler aussi à travers la coque. Cette idée est vraiment géniale. Silence. Bien. Elle ne se doute de rien. On va avoir une super note. Je me demande ce que cette bague donne sur moi. Pas mal du tout. En additionnant d'abord, vous pourrez... Hé! Votre attention, s'il vous plaît. Voyons. C'est important. Hé! Mais pourquoi est-ce qu'ils ne m'écoutent pas? Ils passent leur temps à rire. Regardez-les. Ils ont l'air tellement stupides. Oh, j'en ai par-dessus la tête. Ça suffit. Oh, j'ai enfin votre attention. Oh non, une écharde. Oh, ça a l'air de faire mal. Cette journée est épuisante. Oh, ça pique.
Mince, le pauvre. Je peux peut-être l'aider? J'ai vu cette astuce sur TikTok. Monsieur, je peux vous aider? Donnez-moi votre main. Ce n'est pas joli, joli. Mais un peu de colle devrait arranger ça. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Allez, maintenant, il faut l'enlever comme ça. Vous voyez? Impressionnant! Vous méritez une récompense. Voilà pour vous. Hé, regardez ce que j'ai gagné! Bravo, Sunny! Voilà, j'ai presque terminé. Bon, et après? Oh, je devrais peut-être arranger un peu mes cheveux. Quelques boucles, ce sera parfait. Bon, plus qu'à attendre. Je pense que ça devrait suffire. Quoi? Ça n'a absolument rien fait. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Je ne comprends pas. Il est branché pourtant. Oh non, tu as mangé les fils. Pourquoi? Comment est-ce que je vais faire? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Je n'aurai jamais les cheveux bouclés. Tout va bien, ma princesse? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon boucleur est cassé! Regarde! Je peux peut-être arranger ça. J'ai juste besoin d'une brosse. Hein? Mais maman, je veux des boucles! Regarde, on va prendre une mèche de cheveux et l'enrouler comme il faut autour du manche de la brosse. On serre bien. Pour la source de chaleur, on va se servir du sèche-cheveux. On déroule la mèche et... Oh! C'est génial! Continue, maman! Alors, tu vois que c'est facile. Tu vas être très jolie. Voilà, c'est la dernière mèche. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est parfait! Merci, maman! Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Amuse-toi bien! Je ne vais plus jamais changer de coiffure. Je suis trop contente qu'on fasse enfin ce pique-nique. Viens, on prend une photo. Souris! Super, voyons ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? Oh, un hélicoptère! Ashley, regarde! Waouh, c'est génial! Oupa! On dirait qu'il va par là! Oh! Tes cheveux sont tout ébouriffés! Oh non! Quelle galère! Moi, j'aime bien, ça fait rétro. Attends, ne bouge pas, j'ai une brosse. Oh, merci. Je sens que ça va prendre des plombes. Qu'est-ce que c'est long? Ah, voilà, mes cheveux sont enfin redevenus comme avant. Mindy, réveille-toi. Tiens, ta brosse. Waouh, tu es superbe. Tu veux boire un coup? Oh non, il revient. Oula! Il faut que je protège mes cheveux! Du calme, j'ai une idée! Je vais séparer tes cheveux en deux mèches. Et toi, tu tournes sur toi-même. Encore un peu. Vas-y! Super! Maintenant, je vais faire un chignon. Que je vais maintenir avec un chouchou. Waouh! J'adore ce nouveau style! Ouf! Maintenant, on peut profiter tranquillement. Oh oh! Il repasse! Ce n'est pas vrai, ils le font exprès. Regarde, ma coiffure n'a pas bougé. Merci, Mindy, tu es un génie. Ouais, je sais. Viens, on fait une autre photo. Sourire. Voyons voir. Où est-ce qu'il va, celui-là? Juste là, parfait. Tout est en ordre. Hé, psst, regarde ça. Waouh, il y a tellement de maquillage et tout est si bien rangé. C'est très impressionnant. Mais attends, je vais te montrer ça. Non! Elle est passée où? J'ai trouvé ta petite cachette à maquillage. Tu connais les règles, c'est interdit. T'inquiète, je vais te montrer mon astuce. D'abord, j'ai pris ma palette de maquillage et un coton-tige. J'ai choisi une couleur et j'ai commencé à racler avec mon coton-tige. J'ai utilisé un coton-tige par couleur. Je me suis assurée de prendre assez de maquillage et ensuite je les ai simplement rangés dans leur boîte. Et voilà, une palette entière de maquillage sur coton de tige.
Maintenant, je peux utiliser mon maquillage pour toute urgence. Et je peux choisir parmi un large éventail de couleurs. Waouh! Je suis complètement fan de ce choix de couleurs. Merci beaucoup. Redard, j'ai vraiment du talent. Qu'est-ce qui se passe dehors? Salut! Hein? Je viens voir Annie. Bien, vous n'avez pas de maquillage sur vous, j'espère. Moi? Non, je suis beau, naturel. Tout ce que j'ai, c'est cette palette de couleurs. J'adore l'aquarelle. Je ne sais pas trop. C'est vrai que ces dessins sont un peu fades. Il aurait bien besoin d'un peu de couleurs. C'est d'accord, vous pouvez y aller. Tu as réussi! Je te l'avais bien dit. Je t'ai apporté ça. De la peinture? Merci, Joey. Attends, tu vas voir. Alors, tu aimes? Waouh! Donne-moi ça. Merci beaucoup. Il est temps de rendre cette cellule un peu plus glamour. Je trempe le pinceau dans la couleur et je l'applique sur mes paupières. Waouh! Le résultat est génial! Waouh! Tu as l'air superbe! Est-ce que tu pourrais me maquiller aussi? Je ne sais pas. Tu as de quoi payer? Tiens! Voilà pour toi. Ne bouge pas. Ça va être magnifique. Moi aussi, j'en veux. Faites ta queue, les filles. Qui est la première? Toi? D'accord. Trop mignon. Jolie. Essayons quelque chose d'autre. Phew! Enfin, c'est terminé. Heureusement, je vais pouvoir me détendre et profiter de mon argent. Pas possible! Ces cadeaux sont incroyables! Oh, Annie! Joyeux anniversaire! Oh, c'est tout pour moi? Oui, pour toi! Je me demande ce que ça peut bien être. Le suspense est insoutenable. C'est pas vrai! C'est le gloss dont je rêvais! Cette teinte est parfaite! Merci! Mais maintenant, je crois que la fête est finie. Bonjour, chère classe. On va parler d'art abstrait. Je pense que je peux essayer. Il s'agit simplement d'associer les couleurs de manière originale, non? Quelques paillettes ne me feraient pas de mal. Et je sais parfaitement comment en rajouter. C'est un peu comme de la peinture. Maintenant, quand on regarde le corps... Annie? Pardon. Maintenant, regarde attentivement. Je crois que j'ai compris. Mais je m'en mettrai bien un peu plus. Ce pinceau pourrait aussi servir à dessiner des cheveux. Comme je disais... Oh, elle est tellement sérieuse. C'est juste une petite statue. Et pourtant, elle ne finit pas d'en parler. Ce qui me donne l'occasion parfaite pour... Ah, tu m'as tellement manqué. Pose ce gloss sur la table. Où est-ce que je peux le mettre? Ces tubes de peinture lui ressemblent. On voit à peine la différence. Intéressant. Je pourrais peut-être... Quoi? Mets-le là-dedans! Bien sûr! Tu veux cacher ton gloss? Prends un ballon dégonflé et insère ton gloss à l'intérieur. Ensuite, coupe le ballon ici. Dépose de la colle sur le plastique apparent. Et tire le ballon pour le faire passer par-dessus. Appuie bien pour qu'il colle comme il faut. Il rend plutôt bien. Waouh! C'est ingénieux! Personne ne pourrait dire que c'est du maquillage. C'est l'heure d'une petite retouche. Ah, comme c'est brillant! C'est beaucoup mieux. Hein? Est-ce que je vois encore du maquillage? Annie? Tu as une explication valable? Je fais juste des tests avec la peinture, madame. C'est de l'art. Bon, je peux accepter cette raison. Phew! Je me sens super jolie. La prof regarde. Elle est tournée vers le tableau. C'est le moment ou jamais. Attention, je ne veux pas attirer son attention. Attendez un instant. Tu te croyais si maligne? Il est temps que cela s'arrête.
moi? Oui, c'est moi. Tu connais les règles. Oh, d'accord. Voilà mon rouge à lèvres. Personne ne peut échapper à ma surveillance. En plus, ce rouge à lèvres était tout neuf. Hé, ce crayon me donne une super idée. Oui, c'est sûr que ça peut fonctionner. Commençons par le commencement. Je vais devoir enlever cette gomme. Maintenant, je vais mettre une paille au bout du crayon. Il va falloir que je retire ce qui dépasse. Maintenant, j'ai besoin d'un rouge à lèvres. Je vais le chauffer dans cette cuillère pour qu'il fonde. Maintenant qu'il est liquide, je peux le verser dans la paille. Attention, je ne veux pas en renverser. Et voilà, il a séché, donc je peux retirer la paille. Ça a marché, j'ai une gomme en rouge à lèvres sur mon crayon. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Rosie, c'est du maquillage? Oh non, madame, ce n'est que mon crayon. Bien, ravie d'entendre ça. Alors, mon pote? Et si on écoutait un peu de musique? Oh, génial! Attends, je mets mon écouteur. Ce rythme est trop bien! Et si on mettait un peu de couleur à cette session musicale? Ouais! Bonne idée! Attention, c'est parti! Oh, où est le miroir? Ah, il est là! Allez! C'est bon! Je l'ai! En avant pour parfaire mon look! J'y suis presque. Jake, tu assures? Oh non! Excusez-moi, monsieur. Oh non, Jake! Abandonne la mission! La prof est là! Pardon, je ne vous avais pas vu. Vous connaissez le règlement. Allez! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire de ça? Voyons voir. Tu veux cacher du maquillage? Il suffit de changer sa forme. Fais fondre le rouge à lèvres dans une soucoupe. Ça ne prend pas très longtemps. C'est marrant, non? Une fois que tout a fondu, utilise une seringue pour aspirer le tout. Et voilà! Une fois la seringue remplie, on va mettre le liquide là-dedans. Choisis un contenant qui ne te sert plus. Car il va devenir notre nouveau tube de rouge à lèvres. Et voilà! Une fois qu'il a durci, il est prêt à l'emploi. Oh oh! Le rasonner! Ok, Sunny! Donne-moi ça! Ok, bon. Très bien! Je n'ai même pas fait la lèvre supérieure! Merci, maintenant c'est mon tour! Comme ça, je ne risque pas de me faire prendre! C'est malin, tu ne trouves pas? Et j'ai même fait ma lèvre supérieure! La forme est très pratique! Qu'est-ce que... Sunny, tu es géniale! Mes bigoudis sont presque tous en place. Je n'ai plus qu'à mettre cette pince. Et voilà, je vais être magnifique. Allez, c'est l'heure du dodo. Demain matin, j'aurai des boucles vraiment superbes. Je n'ai plus qu'à compter les moutons. Aïe! C'est pas très confortable. Bon, je vais dormir sur le côté. Ce sera plus facile. Oh, c'est pas mieux du tout. De l'autre côté, alors. Oh, c'est fichu bigoudi! Je vais juste passer une bonne nuit et me réveiller avec des boucles! Mais puisque c'est comme ça, j'abandonne! Je vais me débarrasser de ces bigoudis! Je suis condamnée à avoir les cheveux raides! C'est pas juste! Mais qu'est-ce que... Je crois que je viens d'avoir une idée! D'abord, j'entortille mes cheveux autour de mon doigt... Puis, je les fais passer sur ma tête comme ça. Et maintenant, je les attache tout simplement. Parfait! Et en plus, ça tient bien. Ouais, une bonne solution. Ok, ensuite, j'entortille mes cheveux de l'autre côté et je place aussi cette mèche sur ma tête. Une autre barrette et voilà! Excellent! Je vais pouvoir m'endormir tranquillement. Ah, ça, c'est bien plus confortable. Je peux même dormir sur le côté. Au dodo! J'ai super bien dormi! Au fait, mes cheveux! Voyons un peu si ça a marché. Sois libre, belle crinière! Super! Mission accomplie!
Regardez un peu toutes ces boucles. Et c'était bien plus facile qu'avec des bigoudis. J'adore! Je vais passer une super journée! Un gâteau et une bougie. Ça devrait l'aider à garder le sourire. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui! Un gâteau d'anniversaire! Je vais faire un vœu! Joyeux anniversaire! Voilà, voilà! Youpi! C'est le geste qui compte! J'imagine! C'est bon, j'ai fait ma part! Je regrette le bon vieux temps. Les tâches que j'ai à faire sont ridicules. Bien, voyons voir ce qu'il y a par ici. Ça a l'air bon jusque-là. Je sens que quelque chose cloche. Et si je... l'éventrais? Alors qu'avons-nous là? Oh, un ours en peluche. C'est mignon. Ça m'énerve. C'est pour moi? Vous avez ouvert mon cadeau? Ce n'est pas sympa. Oh, il est tout doux et tout mignon. Enfin quelqu'un pour me tenir compagnie. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas à moi. Waouh, tu as de magnifiques cils. Attends, c'est un super anniversaire. Oh, ça fait du bien. Maintenant, le deuxième. Waouh, ça change. Je m'ennuie tellement. Oh, waouh. Bien, madame, c'est terminé. Allons-y. Entrez là-dedans. Cette cellule est sympa. Salut, Pollock. Oh, dégage, morveuse. Oh, qu'est-ce que c'est? Hé, mec, par ici. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est tout à toi si tu me donnes la marchandise. Ça fait beaucoup de bonbons. C'est d'accord. Tu fais le bon choix. Tiens. Bien, un instant. Et voilà. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Ouf, il était temps. Elle va être verte de jalousie. Waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Il est temps de se refaire une beauté. Waouh, je devrais essayer. J'espère que ce sera assez. Qui ne tente rien à rien. Psst, psst, psst. C'est pour toi. Waouh, quelle radine. Je vais voir ce que j'ai. Oh, j'ai quelque chose. Ça me semble équitable. C'est tout? Ce n'est pas juste. C'est pathétique. C'est toujours mieux que rien. C'est tellement petit que je ne peux même pas le prendre avec mes doigts. Oh, j'ai une idée. Je vais utiliser ces ciseaux. Je suis sûre que ça va marcher. Ça devrait faire l'affaire. C'est trop mignon. Bon, ensuite. Peut-être qu'avec un peu de colle. C'est la plus mignonne de toutes les petites éponges. Je la place sur la colle. Et je la plonge dans le maquillage. Je veux être sûre d'en avoir assez. Et je vais la tamponner sur ma joue. Trop bien. Regarde. Waouh, ça rend bien, bravo. Et ça te dirait d'être amie? Vraiment? Waouh. Coucou, je suis enfin rentrée de l'école. Il était temps. Hey, je suis toujours jolie, mais j'ai besoin de quelques retouches de maquillage. Oh, oups. J'avais oublié d'enlever mes lunettes. Je vais remettre un peu de poudre teintée. Voilà, je pense que ça ira. Et maintenant, du mascara, il faut que je recouvre bien mes cils. Oups, j'en ai mis sur ma paupière. Bah, c'est pas grave. Voilà, c'est pas mal comme ça. Je m'en suis bien sortie. Ce rouge à lèvres rose est mon préféré. Il est vraiment trop beau. J'adore. Oh, Wendy, tu es rentrée. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je sais, tu te remaquilles. Fais voir ce que ça donne. Ouais, j'avais besoin d'une retouche. Dolly? Dolly! C'est pas vrai! Est-ce que ça va? Allez, viens, relève-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a fait chuter comme ça? Pourquoi est-ce que tu mets du maquillage? Oh, je ne t'ai pas dit!
Regarde, c'est une annonce pour un défilé de mode. Un défilé de mode? Je vois. Bien, si tu veux y participer, je vais te donner un coup de main. Suis-moi. Hein? Assieds-toi sur le canapé. Quoi? Il faut que j'arrange ton maquillage. Mais j'y ai déjà passé des heures! Oh, bon, très bien, je vais tout enlever puisque c'est ce que tu veux. Oui, et n'oublie pas d'enlever ton rouge à lèvres aussi. Beau travail, Wendy. Maintenant, laisse-moi attraper mon maquillage. Waouh, c'est quoi tout ça? Où est-ce que tu as eu cette énorme mallette? C'est là que je garde tout mon maquillage et mes produits. Regarde, on va mettre le fond de teint liquide sur une brosse rotative. Regardez comme ça tourne vite. C'est super rapide. Voilà, ça devrait suffire. Et maintenant, je vais laisser la brosse appliquer le fond de teint sur ta peau. Waouh, c'est tellement doux! Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, maintenant ta peau est parfaite. Génial! Qu'est-ce que tu as comme mascara dans tout ça? Oh waouh, tu as des faux cils magnétiques! Exact, comme ça tu n'auras même pas à mettre de mascara. Ne bouge pas, je vais mettre ces faux cils par-dessus tes vrais cils. De quoi est-ce que j'ai l'air? Je parie que c'est beau. Oh, des lèvres? Je pense que c'est bon là. De quoi ça a l'air? C'est incroyable! La couleur est spectaculaire. Mais il va aussi falloir que tu changes de tenue. Tiens! D'accord, c'est parti. Dolly, tu as un vrai sens de la mode. C'est super chouette. Oh, regarde. On est presque habillés pareil. Parfait. Allons-y. Oh, maintenant qu'on est là, je me sens hyper nerveuse. Tu sais quoi? Je ne vais pas le faire. J'ai trop peur. Tout va bien. Prends une grande respiration. Tu vas y arriver. Oups, désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis là pour le défilé de mode. C'est vrai qu'elle est jolie. Salut. Waouh, tu es magnifique. J'adore ton haut. Je savais que ça marcherait. Ok, je crois qu'il faut que je mette cette ombre à paupières ensuite. J'y suis presque, mais il manque quelque chose. Je devrais choisir quelle couleur? Bleu! C'est clairement une journée pour du bleu. Oui, ça donnera un coup de peps à mon look. Par contre, il en faut un tout petit peu. Pas trop. Oh non, j'en ai mis partout sur mes cheveux. Qu'est-ce que je suis bête? Je viens de gâcher tout mon look. Attends une seconde, je crois que j'ai une idée. Ça pourrait vraiment le faire. Alors, je vais avoir besoin d'un verre ou d'un bol et d'un peu de gel coiffant. Je vais juste mettre un peu de gel dans le bol. Ça devrait suffire. Et maintenant, je passe à l'étape suivante, les paillettes. Je vais juste verser toutes ces paillettes dans le bol avec le gel. C'est trop joli, j'adore. Et maintenant, je vais utiliser ce bâtonnet pour mélanger les paillettes au gel. Oh, c'est si brillant et gélatineux. Rose, orange et bleu, ça va être génial. Je vais commencer par le orange. Je vais avoir besoin d'un pinceau. Maintenant, je vais juste passer le pinceau sur mes cheveux, comme ça. Oh, ça brille tellement, ça rend super bien. Maintenant, je vais ajouter un peu de bleu. Regarde comme c'est joli. Je vais simplement faire des bandes colorées sur tout le côté. Fini, c'est génial. Regarde-moi comme ça brille de mille feux. Je suis trop géniale. C'était la meilleure idée que j'ai eue. Je ne me remets pas de cette réussite. Il faut vraiment que je poste ça sur Instagram. Tu sais pas quoi faire dans la salle de bain? Si tu as un tube de rouge à lèvres, cette astuce TikTok va bien t'amuser. Ça en vaut vraiment la peine. Maintenant qu'il est colorié, j'ajoute un peu d'eau. Toujours pas convaincue. Attends, ce qui vient va te surprendre. Voilà, super! Alors, tu en dis quoi? Pas mal, non? Une seconde. Bonsoir, je viens pour la fête. Je vous en prie. Bonsoir. Allez-y, passez une bonne soirée. Je peux entrer? Pas si vite. Vous avez vu ce panneau? Tenue pas été exigée. Ma vraie, mais c'est non. Sérieusement? Mais ma tenue est très bien pourtant. Bon, eh bien, j'imagine que c'est fichu. Oh, regarde ça! Je crois que j'ai une idée. Un peu de distraction. Elle veut être éblouie? Très bien dans ce cas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Doucement mais sûrement. Encore un peu. Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Sortez d'ici! Non mais je rêve! Mais au moins j'ai gagné une nouvelle bague. Ah, oh, tant pis. J'aurais essayé. Psst! Oh, hé! Par ici. Hein? T'es qui toi? Regarde.
Waouh, tout plein de paillettes. Je vais prendre celle-là. En voilà monnaie. Merci, étrange inconnu. Tu ne m'as jamais vu ici, compris? Il est temps de se mettre au travail. Je vais commencer par mettre quelques paillettes dans mes cheveux. C'est super facile! Comme ça brille! Waouh! Je n'ai qu'à exercer une légère pression et les paillettes collent à mes cheveux! Youhou! Waouh! J'adore ce son! Oula, qu'est-ce qui brille comme ça? C'est moi! Pas mal, hein? Waouh! C'est super! Allez-y! Merci! Waouh! J'adore sa coiffure! Oui, je sens que mon esprit créatif se réveille. Phew, c'est beaucoup de travail. J'ai trop chaud. Ouh, c'était pas gagné. Mais c'est beaucoup mieux. Attends, c'est quoi ça? Oh non, je crois que c'est mon rouge à lèvres. Il a dû rester sur le pull. Mince. Psst, hé, par là. Psst, psst, c'est quoi ce bruit? Tout mon rouge à lèvres est parti! Oh, c'est tout! J'ai ça pour toi! Y a pas de quoi! J'ai pris un pot à peinture vide. Je l'ai rempli d'un gel transparent comme de la vaseline. Avec la couleur que je voulais. Ensuite, j'ai tout bien mélangé. Et c'était prêt une fois la couleur bien homogène. Pour l'utiliser, j'ai juste besoin d'un pinceau. Prends un peu de produit et dépose-le sur tes lèvres. Et en deux temps trois mouvements, j'ai fabriqué un gloss coloré. Oh waouh, ça marche super bien! Une fois que c'est sec, il suffit de retirer la pellicule. Tu vois, tes lèvres restent colorées. Cela teinte les lèvres et ça va rester en place toute la journée. Pas besoin non plus d'avoir peur que ça parte en enlevant un pull. Tu es vraiment un génie! Merci! Maintenant, je me remets à mes pinceaux. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi! J'ai rêvé que j'étais réponse et que le prince était incroyablement beau! De quoi commencer la journée d'un bon pied! Oh, quel cauchemar! Toute cette lave et cette chaleur! Oh, et en plus, on dirait que mes cheveux sortent tout droit du cœur du volcan! J'ai tellement faim! Chut, j'essaye d'écouter! Oh! Ça a l'air délicieux! Mindy, tu es sûre que ça va? C'est quoi cette fascination pour l'horloge? Mindy, eh oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Laisse tomber. Bien, les enfants, écoutez, c'est important. Oh, je sais! Je crois que j'ai à manger dans mon sac! Ça devrait m'aider à tenir jusqu'au repas. Waouh! Ces donuts ont l'air délicieux! Qu'est-ce que... des donuts avec un glaçage rose! Je rêve! Ça ne va pas se passer comme ça! Mindy, pas de nourriture en classe! Je pensais que vous n'aviez pas vu. C'était plutôt flagrant. Que je ne t'y reprenne pas! Oh, c'est bon, c'est juste un donut! Oh! Les chouchous de Sunny me donnent une idée! Je suis sûre que ça va marcher! C'est aussi joli qu'alléchant! On dirait que ça sent le donut! C'est bizarre! Ouf! Elle n'a rien remarqué! Ça mérite une récompense, non? Waouh! Ça, c'est bien joué! Je peux en avoir un? Bien sûr, tiens! Oh, merci beaucoup! Du glaçage! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Super secours, madame! Merci. Ce mascara est génial! Bien, et ensuite? Oh, je sais! Oh, tu es trop jolie! Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en! Mais, tu es méchante! Ce n'est pas juste! Oh, j'ai une idée! Enfin, je vais pouvoir terminer mon maquillage tranquille. Je vais mettre un peu de fond de teint. Un peu, mais pas trop! Le crime parfait! Comme ça, c'est parfait! Oh, c'est exactement ce qu'il me faut!
Qu'est-ce que... Hé, pas touche! Arrête de voler mon maquillage! Mais tu en as des tonnes! Nya nya nya! Au moins, j'ai réussi à avoir ça! Je vais me faire belle, moi aussi! Il me faut quelque chose pour l'étaler! Bon, ce n'est pas grave! Je vais en mettre directement sur mon visage! C'est bien comme ça qu'il faut faire! Je crois que j'en ai assez! Je ne vais pas l'étaler avec mes mains! Je dois bien pouvoir trouver quelque chose! Ah, un ballon, ça pourrait le faire! Je pense que ça va marcher! Je gonfle le ballon et je fais un nœud! Maintenant, je vais m'en servir comme d'une éponge à maquillage! Waouh! Ça fonctionne! Je suis très jolie! Il faut que je l'étale un peu plus! Où est mon fond de teint? Oh, je crois que je sais! Hé, qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi! Pourquoi c'est toujours toi qui as les meilleurs trucs? Tu veux aussi le ballon? Hé! Ton maquillage est trop bien! Je vais utiliser ta technique la prochaine fois! Tiens, regarde! Waouh! Merci, petite sœur! C'est une idée géniale! Comme ça, je suis prête pour le contrôle! J'ai les réponses sur mes ongles! C'est comme si de rien n'était! Personne ne se doute de rien! Je n'ai jamais été si contente d'avoir un contrôle! C'est parti pour avoir un A! Oh non! C'est une catastrophe! À l'aide! Oh, pile ce dont j'ai besoin! Hé! Hey, quoi? Tu peux m'aider? Me donner un coup de pouce? Oui, si tu veux! Tiens! Super, merci! Dépêche-toi! Psst, par ici! Sérieusement? Doucement! Tu me fais mal! Attends, il faut juste que je regarde le pouce! C'est bon, merci! Le temps est écoulé! Mais je n'ai pas fini! C'est trop nul! Il me faut plus de temps! Je peux peut-être me dépêcher! Tout le monde, rendez-moi vos feuilles! Mais je... C'est pas juste! Il faut juste que je reprenne un peu mes sourcils. Oh là là! Salut! Salut! Oh! Il n'a pas du tout fait attention à moi! Je sais ce qui va marcher. Un beau rouge à lèvres puissant attire toujours le regard. C'est bon! C'est le moment de réessayer. Salut, Jake! Salut! Si tu avais vu ce qui s'est passé en chimie! Oh! Il s'est replongé sur son téléphone! Oh! Qu'est-ce que je peux faire pour attirer son attention? Attends, c'est quoi ça? Quoi? Il sort avec Betty? C'est impossible! Mon rouge à lèvres me donne une idée! C'est sûr que ça va marcher! Je vais dessiner une bouche sur ma main. Maintenant, je la remplis. Elle est pas mal! J'ai fini! Je suis plutôt douée à ça! Allez, c'est parti! J'enclenche mon plan. Bisous! Hein? C'était quoi ça? Trop bizarre. J'ai dû rêver. Oh! Betty arrive! Coucou, mon jacounet! Ah! Ils sont si niais, mais maintenant, on va pouvoir voir si mon plan fonctionne. Je t'ai gardé une place, Betty. Un bisou d'abord. Ouais, j'adore te faire de gros bisous. Attends un instant. Qu'est-ce que t'as sur le cou? Tu es allée embrasser d'autres filles? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment j'ai pu te faire confiance? Oh non, c'est moi qui ai fait ça. Pardon. Oh, je n'arrive pas à le croire. La guerre est déclarée. Ils sont jolis, ces cupcakes. Pas vrai, Jake? Il faut peut-être que tu les vois de plus près. Mais je ne comprends pas. Betty! Oh, Jake. Je suis vraiment désolée pour ce qui vient de se passer. Attends, je vais t'aider à t'enlever ça.
C'est vraiment ma chanson préférée du moment. Qu'est-ce qui est arrivé aux lumières? Y a-t-il une menace? Et qu'est-ce que c'est? Qui est là? Ella, tu es prête à danser? Ouais! Pas possible! J'adore les guitares folles! C'est génial! J'adore ce travail! Wouhou! Je me mets dans l'ambiance avec ma guitariste préférée! J'ai fait diversion? Ouais, maintenant je vais juste me diriger par là. Attends, elle est passée où? Oh non! Ça a marché! C'était trop facile! Et maintenant je vais sortir mon maquillage. Il est temps de faire une retouche sur mon brillant à lèvres. Maintenant c'est l'heure de s'éclater! Génial! Il n'y a personne aux alentours. Ça fait longtemps que j'attends ça. Salut, je suis là. Il attend. Approche-toi. Ne bouge pas. Incroyable. Je suis comment? Magnifique. Je me sens mieux. C'est vraiment une règle idiote. Plus besoin de ça. Je ne sais pas quoi dessiner. Oh, ne bouge pas, Baggy. Tu vas être mon modèle. C'est parti. Génial. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes? J'ai bien réussi les yeux, tu ne trouves pas? Coucou, chérie. C'est pour moi? Oui, tiens, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Génial! Des oreilles de chat! Trop cool! Une seconde. Et voilà! Maintenant, on est pareil, toi et moi. C'est génial, non? Je t'aime, Baggy. Je reviens tout de suite. Pas de soucis. Oh, qui est-ce? Allô? Hein? Ouais, très bien. Regarde, maman. Je suis un chat. Oh, tu es adorable. Oh non, mes oreilles de chat! Elles sont fichues! Je ne peux plus les mettre! Je suis trop triste! Qu'est-ce que je vais faire? Oh, ne t'en fais pas, Ashley! Je crois que j'ai la solution! On va essayer quelque chose avec tes cheveux, d'accord? Commence par tresser une mèche de cheveux, puis fais la même chose de l'autre côté. Courbe-la légèrement et fixe le tout avec une pince. Et maintenant, l'autre côté. Oh, quel adorable petit chat! Fais-moi voir! Waouh! Merci, maman! Regarde, Baggy, je suis un chat comme toi! Waouh! Ce n'est pas un vrai cœur, si? Tout ce cours sur les valves cardiaques m'angoisse! Oh! Est-ce que je viens d'avaler mon ongle? Ça aurait pu me tuer! Ces ongles sont dangereux et je les ai presque tous mordillés. Regarde-les bien! Il ne faut que personne me voie avec des ongles pareils. Tu as un problème? Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, j'ai un problème à force d'avoir rongé mes ongles. Mais tu n'as pas à les laisser comme ça! La prof ne regarde pas, on est d'accord? Dis bonjour à ton nouveau meilleur ami! De la colle? Bon, je suppose que ça ne coûte rien d'essayer! C'est du vernis? Malin! C'est le moment d'une petite retouche! C'est déjà mieux comme ça! C'est parfait! Merci! Pour cette astuce, déverse la colle dans un récipient. Quand le flacon est complètement vide, place un entonnoir à l'ouverture. Prends ton vernis préféré et verse-le dedans. Cela peut prendre quelques minutes. Retire l'entonnoir et revisse le bouchon. C'est l'astuce la plus simple de tous les temps. Et regarde comme ils sont beaux!
Je ferais mieux de faire l'autre main. Madison, j'espère pour toi que ce n'est pas du vernis. On n'est pas dans un bar à ongles ici. J'aurais dû être plus discrète. Mais c'est juste de la colle, vous voyez? Je suppose que tu as raison. Bon, on revient à la valve aortique. Encore merci! J'espère que j'ai pris les bons crayons. Je déteste ma vie, je la déteste! Tu as très mauvaise mine, Madison. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Regarde par toi-même! Il veut qu'on arrête tout! Je comprends pourquoi tu pleures. Tu devrais peut-être jeter un œil à ton maquillage. Il a juste un peu coulé. Je suis horrible! Disons que tu ne passes pas une journée facile. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider. Les cotons que j'ai pris à la maison! Tu en veux? Ils sont tous à toi, ma belle. Utilise-les pour enlever ce maquillage. Ça ne coûte rien d'essayer, je suppose. Je les mets juste sur mes yeux. Un sur chaque œil, c'est ça? Et aussi simplement que ça, je ne ressemble plus à un panda. Ça fait beaucoup de maquillage. Fais voir à quoi ressemblent mes yeux maintenant. Alors ça, c'est une transformation. Tu veux connaître mon secret? Tu vois cette pochette plastique? Utilise des ciseaux pour en couper une bande. Quand c'est bon, ouvre-la comme ça. Mets des cotons tout le long de la bande comme ça. Ensuite, verse un peu de démaquillant sur chaque coton. Puis referme la pochette plastique. Ensuite, prends du papier sulfurisé et mets la bande de coton à l'intérieur. Puis utilise un lisseur à cheveux pour fermer le plastique à travers le papier. Un dernier coup, retire le papier et voilà avec quoi tu te retrouves. Des cotons démaquillants portables. Trop bien! Tu as redonné un sens à ma journée. J'aurai sûrement besoin d'autres plus tard. Non, réveille-toi! Allez, reprends tes esprits! Il me reste encore 3 cours. Il me faut un shoot de caféine. Santé! Ah, voilà qui est mieux. Oh non! En fait, il m'en faudrait encore 10 comme ça. Hé! Voilà Jake! Quel plaisir pour mes yeux fatigués et tout cernés. Comme il est beau! Je me demande s'il va me remarquer. Il s'assoit là? Tu as l'air un peu fatigué. Hein? Oh non! Ces cernes sont affreuses! Je dois bien avoir quelque chose pour arranger ça. Hein? Oh! Et ma palette de fard à paupières? Non plus! Oh, mais qu'est-ce qu'on a là? De l'aloe vera? Génial! Merci! Mais, ma plante! Ouf! Sauvé! Maintenant, regarde bien. Tu as un tube de rouge à lèvres vide? Remplis-le d'aloe vera. C'est gluant! Maintenant, remets le bouchon et secoue bien. Et voilà, du gel d'aloe vera. Génial, non? Tu me sauves la vie, petit gel! L'aloe marche à merveille sur les yeux fatigués. C'est si apaisant. Et c'est tellement facile. Ah, c'est beaucoup mieux. Super. Salut, Jake. Hein? Oh, waouh. Alors, c'est mieux, tu ne trouves pas? C'est sûr. Tu veux regarder une vidéo avec moi? Bien. Est-ce que tout est prêt pour l'évaluation? Et voilà!
Parfait. Oh, ça roule, Sunny? On a exam aujourd'hui, hein? Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Salut. Bon, j'ai juste besoin de ça. Ah, il est temps de manger mon petit tanka. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh. Non, mon crayon. C'est toujours à moi que ça arrive. Tu permets que je t'emprunte ça? Hé! Je parie que ça va marcher. Qui a besoin d'un taille-crayon avec un engin pareil? Regarde, ça marche! Fantastique! Et voilà! Il est comme neuf! Tiens! Mais Jake! Encore quelques nuances par ici! Non mais... Tiens! C'est pour toi! Oh mais... C'est moi! J'ai l'impression de me voir dans un miroir! Ça me fait plaisir! Oh, merci! Alors, tu aimes mes dessins, on dirait! C'était trop marrant! Le prof ne savait pas quoi faire! Oh, salut les gars! C'est à nous qu'elle parle! Bref, il se croit plus important que tout le monde! Oh, j'ai une idée! On se voit après les cours. Ciao! C'est génial d'être populaire. Oh, salut! J'ai hâte de voir leur tête quand ils vont voir que j'ai changé de style. Gabi va adorer. La voilà! Quoi? Elle a des piercings! Je vais avoir l'air ridicule à côté d'elle. Bon, je crois que je vais devoir me percer le nez. Tu t'es perdue. Je voudrais un piercing. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Prends ton temps. Y a quelque chose qui te plaît? Celui-ci. Celui-là? Sérieux? Bon, comme tu voudras. Ça risque de piquer un peu. Non, en fait, ça va faire un mal de chien. Je commence à regretter. Oula, je crois que je ne me sens pas bien. J'en étais sûre. C'est toujours comme ça. Allez, finissons-en. Hors de question. Encore? C'est la quatrième fois cette semaine que quelqu'un part en pleurant. Il faut que je change de boulot. C'était trop flippant. Mince, j'ai gardé son porte-vue. Attends voir. Je pourrais me servir de ce trombone et fabriquer mon propre piercing. Je vais le couper en deux avec cette pince coupante et je vais le mettre sur mon nez. Et voilà, un piercing sans douleur. Jasmine, est-ce que c'est bien toi? Salut! Tu es magnifique! Est-ce que tu as un piercing au nez? Ouais, j'avais envie de changement. Je viens d'en faire deux autres. J'adore ça! Je ne peux pas m'arrêter. Oh, salut! Au revoir! Je ferais mieux de trouver d'autres trombones. Ouais, je suis trop contente qu'on sorte enfin ensemble. Waouh, wow, merci! Tu veux qu'on s'embrasse? D'accord. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il est déjà là? Oh non, j'ai raté mon réveil! Pourquoi il n'a pas sonné? Oh! Ouch! Il faut vraiment que je m'active. Oh non! Ma peau est horrible! Burk! Bon, c'est rien, je vais arranger ça. Il suffit que je mette des patchs anti-cerne. Quoi? Oh! Je vais me rincer le visage à l'eau froide. Oh! C'est gelé! Hein? Oh! Hé! Hey, ça vaut le coup d'essayer, non? Adieu les poches! Ah! Oh! Ouille! J'ai toujours ma tête d'endormie. Y a quelqu'un? Tiens, y a quelqu'un à la porte? Je n'attendais personne pourtant. Oui, entrez. Très bien, jeune homme, suis-moi.
Tu n'as qu'à attendre là, d'accord? Fais comme chez toi. Mince! Pourquoi rien ne fonctionne? Je crois que je vais devoir y aller comme ça. Elles sont plutôt cool, pas vrai? Oh! Comment t'es arrivée là? Ouf, il ne m'a pas vue! Il me faut encore quelques minutes. Chérie? De quoi as-tu si peur, ma puce? Laisse-moi tranquille, maman! Les jeunes de nos jours. Dis-moi tout. C'est à cause de ma tête. Oh, je vois. Je suis déjà passée par là. Et j'ai exactement ce qu'il te faut. Mes copines et moi, on faisait ça tout le temps. Il suffit d'avoir un concombre et de quoi le trancher. Regardez. Une fois qu'on a ça, trempez-y du coton. Une moitié pour chaque œil. Une fois qu'ils sont bien imbibés, on va pouvoir les appliquer. Séchez vos larmes. Quoi? Tiens, tu devrais utiliser ça, chérie. Des patchs pour les yeux? Waouh! Ils sont tout frais en plus. Tu veux bien sortir de ce frigo maintenant? Mes yeux vont déjà beaucoup mieux. Je pense que tu dois pouvoir les enlever. Alors? Wow! C'est bon, c'est parti! Bien, vas-y maintenant. Désolée de t'avoir fait attendre. Mais ça en valait la peine, non? Oh wow! J'ai failli oublier! Il faut que je les range dans la boîte. Oh! Pfiou! Le détecteur n'a pas bipé. Hé! Hey, j'ai une meilleure idée! Il suffit que je le cache! Parfait! Impossible que le détecteur le remarque! Oh non! Il veut ma peau! Bonjour, madame! Quel est le problème? Oh! Je suis innocente, je vous jure! Je n'y crois pas! Oh, je n'ai vraiment pas envie de tout ça. Je peux peut-être faire quelque chose. Je vais mettre cet autocollant sur la coque de mon téléphone. Bien, maintenant je retire le papier et je vais ajouter ma palette de fard à paupières. Ça rentre parfaitement. Parfait, je vais mettre mon téléphone dans la boîte. Oui, il ne s'est pas déclenché. Qu'est-ce qu'il y a sur la coque? Vous voyez, c'est pour tenir mon téléphone plus facilement. Ah, bon, d'accord. Assieds-toi. Oh, ce travail est parfois ennuyant. Oh, quelqu'un arrive. Laisse-moi voir, tu connais les règles? Pas de maquillage autorisé. Quoi, moi? Oh, évidemment, je n'ai pas de maquillage. Bon, je ne vais pas te croire sur parole. Mon sac? Oh, bien sûr, tu peux vérifier. Laisse-moi voir. Attends une seconde. Tu te prends pour qui? Donne-moi tout ça maintenant. Bien sûr, tu parles de ça? C'est mon journal. Et voici mon téléphone aussi. Et ça? Ça? C'est du maquillage que tu as essayé de faire entrer en douce. D'accord, je suis désolée. Je vais vite m'en débarrasser. Zut! Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait attrapée. Attends une seconde. Mon journal! C'est ça la solution. Je vais commencer par découper une section au milieu des pages. Parfait! Comme ça, un bon rectangle. Et maintenant, je vais retirer toutes les pages. Et je veux aussi que ce soit joli. Ce tissu scintillant fera parfaitement l'affaire. À présent, je peux mettre mon maquillage dans le journal. Et voilà, il est temps de le refermer. Maintenant que je suis à l'intérieur, je peux dévoiler mon maquillage secret. Juste un petit relooking et retour à la danse. Qu'est-ce qui se passe à l'avant de la file? Oh non! Elle a un panneau! Maquillage interdit! Mais j'ai du maquillage sur moi! C'est paillettes! Je vais devoir faire quelque chose. Attends! Je vais simplement les cacher dans ma robe. Oh! C'est vrai! C'est une robe! Ça ne fonctionnera pas! Je vais devoir trouver une autre solution. Bonjour! J'ai un ticket! Je vois ça. Mais est-ce que tu caches aussi du maquillage?
Laisse-moi regarder. D'accord, je ne vois rien. Tu peux entrer. Tout est en ordre. La musique dans cette boîte est fantastique! Personne ne regarde? Non? Il est temps de sortir le maquillage! Je vais juste enlever ma chaussure et ensuite retirer le bon bout du talon. Tada! Et maintenant, place aux paillettes, juste un peu sur les deux joues. Excellent! J'adore ce look. Les paillettes dorées sont les meilleures! Paillettes pour tout le monde!